Jean, ça va mieux? Ouais, donc nous allons reprendre cette magnifique campagne. Oui, ça va mieux. Je l'ai un peu flashouillé pour qu'il oublie tout. Il doit donner, tu le vois. Et où ça? Attends, monte-moi, je le vois pas bien. C'est vrai. Le mec trop con. Alors donc ouais, on s'est arrêté au chapitre 2 avec Claire. Hein. Du coup, mais non, on était au 36. Du coup, on va continuer avec Paris. Mais d'abord, les habilités. Alors, qu'est-ce qui peut être pas mal? L'habileté éléphant, comme dans Far Cry. Les attaques ennemies ont plus de chances d'évoluer lorsque vous êtes... lorsque vous faites une excision. Ça, ça peut être pas mal, franchement. Comment ça, quand tu fais une excision? Vous êtes temporairement élastique lorsque vous êtes accroupi. J'ai jamais compris cette amélioration, mais bon. Or, ça compte pour nous deux, normalement, quand t'améliores tes trucs. Donc, attends, on va voir. Ça peut être pratique. Ouais. Bah, c'est ce que je vais même faire pour les herbes, je pense. Ouais, ça aussi, ça aussi, c'est très pratique. Soin, c'est... voilà. Et la vie, un truc... Ça peut être utile. Ça. Ouais, les hein. Ouais. Les coups mortels. Et qu'est-ce qu'il y a à droite, là? Les trucs à droite. À droite, on peut plus. Ouais, on peut plus, alors... Réduit le temps de réaction. Alors, montre ceux qu'on peut, là, tout à gauche. Il y en a trois qu'on peut, tout à gauche. Tout à gauche. Ah oui, il y avait aussi celui à 500. C'est quoi, celui à 500? De quoi? Celui à 500, là, où t'es passé juste avant, justement, pour t'arrêter. Ouais. C'est cool. Moi, j'ai plus... En fait, c'est simple. Celui à gauche? Ouais, c'est là. Lorsque... Ça peut être pas mal, on va dire. Genre, tu restes accroupi, tu fais plus de dégâts. Bon, celui tout à gauche, maintenant? Je vérifie tous pour voir. Ça peut être aussi pas mal. Ou quand même, c'est celui en bas? Ça attaque ennemi en plus de chance. En haut? Ouais, fais celui d'en haut, là. Ah, ça sent bien, celui-là. Ça peut être pas mal. Après, le prochain, je pense qu'on met celui-là, quand même. Ouais. Après, maintenant, on y va. Parce qu'il faut quand même... Hey, t'es chaud, Jean-Pierre! On va violer les mouches! C'est vrai qu'il est pas mal, vas-y. Ok. Non, c'est parce que Antoine Daniel, il a posté enfin son nouvel épisode. Donc forcément, ça m'a marqué. Le gland. Celui-ci, il peut être pas mal, le pied léger, là. D'accord. T'es toujours comme ça, après avoir regardé une vidéo d'Antoine Daniel. Cherche pas, hein. Et après une vidéo de SLG, t'as envie de violer des petites filles en t'habillant en cuir? Voilà, c'est améliorer le pied de biche et justement la force de brique. Tu crois que c'est le moment de faire la pub pour le forum? Oui. D'ailleurs, Steve, il y est beaucoup en ce moment. Si, vu que vous êtes fan de Steve, si vous voulez le voir, allez sur le forum. Il y a aussi Sarah. Mais j'essaierai de faire en sorte qu'elle vous morde pas. Voilà, tâché. Voilà. Comme le Cerbère de Harry Potter. Oui. Il y a toujours pas Léon, mais il y a Holt aussi qui est sympa. Et puis voilà, il y a Steve. Allez-y pour Steve. Et il y a moi. Voilà. Et il y a Antoine Daniel. Et il y a Mathieu Sommet. J'espère rencontrer ceux qui étaient fans de moi, là. Et il y a Frédéric Molas. Putain, j'avais fait un rêve dernièrement où tu me rendais visite au lycée. Je pense que ça va se faire vu que je dois rencontrer tes fans dans ton lycée. Bah, c'est pas mal que je le rencontre parce que franchement. J'ai fait un rêve chelou. Ah bon? Où j'étais en érection. Et quand Ok. Et le pire, c'est quand je me réveille, j'en avais vraiment une. Tu sais, je me réveille là. Okay. Je regarde dans mon froc. Oh putain, j'ai spermé. C'est la première fois que ça m'arrive. Un rêve. Ok. C'est ce qu'on appelle en général un rêve érotique. Ouais. On pense qu'on va mettre le son. Il n'y avait pas toi dedans, t'inquiète. Ouais, j'espère bien. Bon, je sais pas, tu veux mettre à combien? Ouais. C'est bon, on était à 24 la dernière fois. Okay. Au départ, on était à 27, mais ça gueulait dans les premiers épisodes. Quoi? Nichon. Elle est morte. Oh, bon, en fait, je m'en fous, je prends un café. Resident Evil Revelation 2, si vous aviez un doute sur le jeu que vous jouez. Bon, je sais déjà quel sera le titre de la vidéo. Regard. Non. Quand une fois qu'on accueillait... Putain, ça me rappelle Daredevil. Putain, on s'est maté tout le truc en une après-midi, enfin une journée plutôt, parce que... Daredevil, c'est pas ça qui est le bâton rouge, là, je sais pas. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, il y a une nouvelle série, là, tu sais, qui va avec les films Marvel, Disney. Ouais. Même si c'est pas Disney qui reproduit, c'est dans la même chronologie. Mmh. Parce que tu sais, il y a différentes chronologies.
Il y a les X-Men, il y a ben, la chronologie Avengers, donc ça fait partie de celle-là. Et il y a aussi la chronologie Sony où il y a les 4 Fantastiques. Et... Il y avait Spider-Man, mais maintenant ils ont laissé un peu pour Disney, donc c'est génial. De toute façon, vivement que Disney rachète tout, comme ça on aura enfin tous les personnages ensemble. Ouais. C'est-à-dire on pourra enfin voir les 4 Fantastiques avec Wolverine et avec Captain America, ce qui pour le moment est impossible, hormis dans les dessins animés, vu que là Marvel a le droit total dans les dessins animés. Et maintenant on va baiser! Avec ta maman? Là! Là, 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 là. Pour ceux qui ne comprennent pas la vanne, j'essaierai de vous mettre, d'y penser, de mettre le lien en description de vidéo. Merde, attends. J'allais foncer comme ça. Du truc où je fais référence, hein. Ouais. J'allais foncer comme ça alors que t'es même pas au loin. Happy Star Start. En tout cas, Resident Evil 7, si ça vous intéresse, c'est bien. C'est en gros l'univers Resident Evil, mais aujourd'hui, hein. Dans notre époque moderne, 2014-2015. Happy Star Start. Voilà, si ça vous intéresse. Bon. Qu'est-ce que c'est? Bon, par contre, faudra pas rater le... Là, 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 là. Attends, je pense aussi là. Arrête de téléporter. Là. Là. Qu'est-ce qu'elle veut? Dans le cul. Là. Ok, attends, on refait la scène, ça va faire. Vas-y, pointe-toi du doigt. Attends, dans le cul. Là. Qu'est-ce qu'elle fait dans le but? Attends, voilà, comme ça accroupi. Attends, c'est comment accroupi? Voilà. Là. 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 Les mecs complètement de. Ouais, c'est pas par là. Ah bon? Est-ce qu'on peut vraiment rebrousser chemin? Ouais, je pense que ça marche. Par quoi, Toto? Eh, mais attends, je veux voir. Est-ce qu'on peut vraiment rebrousser chemin et refaire tout le précédent niveau à l'envers? Je pense pas, mais ce serait marrant. Ce serait long. Bon. Bah, je pense pas, hein. Ouais. Ah, les esquives de merde. Parce que moi, comme j'esquive vraiment mieux, il esquive bien plus loin, quoi. Ah bon. Alors, Moira, t'as pas trop embêté? Essayer de me violer. Alors juste voir mon inventaire. J'adore faire ça quand je regarde son inventaire. Alors j'ai des désinfectants. Des balles de pistolet qui vont revenir dans mon slip. Non. Oui. Ah. Où as-tu trouvé ce bracelet? Là. Je l'ai trouvé là. Là. Par contre les bombes t'as juste à fumer que tu peux utiliser. C'est ça, je dis rien. Comment on balance les joueurs? LB. Comme si tu lances une grenade en fait, je suis pas fait. Hein. Hey, reviens Mouloud. Attends, où est le bouton annulé comme dans Far Cry 4? Bah tu peux... Bah t'enlèves le LB. Attends Mouloud. Aïe. Ah je meurs. Petit c'est passé à côté, attends, bouge pas. Voilà. Oh, ça l'a traversé. Bref. Oh putain, je sais déjà que je vais te troller avec un type d'ennemi plus tard. Je pense que tu sais lequel. Ouais, je pense. Ah oui. Ah ça va être marrant, je vais faire esprit de pas t'indiquer où ils sont au départ. Tu sais le mec qui va faire putain mais dis-moi où ils sont. Alors, à tout allié trouvant ceci, nous avons été enlevés contre notre volonté amenés de force sur cette île. Nous nous appelons Ney Fisher, Pedro Fernandez, Edward Thompson et Gabriel Chavez. On note le nom, je demande à Eden Pierce de craquer leur compte. Je ne connais pas les coordonnées de notre position et j'ignore s'ils sont seuls. Salut, c'est Chavez, on va mourir! Ok. On sait déjà qu'ils sont tous morts. Hein? Ouais. Oui, même Ney Fisher. Regarde quoi? Rien. Là, 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 ah, oui, là, 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 là. Ça va bien, je t'ai gratté l'oreille. Ouais. Je m'ai pourtant dit de se tenir à l'écart. Au mec qui est mort? Oui.
C'est ta fille? Oui. Ah, ok. comment il s'appelait ta fille? Je sais plus. Il y a des monstres là-bas. Ah bon? Je vais m'en débarrasser avant qu'il ait. Ah bah oui. Je suis quand même pour les attaquer furtivement si tu me fais passer devant. Mais ses coups sont pas faibles. Pas la tête. Peut-être le bras. Le bras gauche. Putain, en plus j'ai du mal toujours ici, c'est des merdes là. Voilà. Bon. Alors, tu es par là. Tu joues déjà pour appuyer, pour te montrer là. Du coup, la caisse. Ah non, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est Y. Là. Mais qui a foncé quand même pour hein. Eh Barry, on y va. Là, je suis encore plus lent. Allez, mon gros, bouge ton cul. Allez, mon gros, on dirait Sarah. Voilà. J'ai même pas besoin d'en rajouter, il suffit que je dise Sarah et c'est bon, c'est une insulte. Brique. Évidemment, quand il y avait le monstre, ils m'en ont pas filé. File-moi ton flingue, Barry. Allez, au moins ton gros magnum, de toute façon, tu t'en sers jamais. Hop, oh, putain, t'as sauvé. Il y a quelque chose. Il y en a d'autres. Alors, quoi d'abord? Mais il nous a pas vu. Le monstre, ça le dérange pas que j'ai fait du bruit. Hein. J'ai tué son côté. Allez, gueule. Voilà. Puis c'est écarte toujours les gens quand on le tue discrètement. Parce qu'il veut se faire violer? Peut-être. Ah, une herbe verte, c'est cool ça. Je crois que c'est moi qui en ai une tonne, c'est ça d'herbe? Oui. Bah, de toute façon, au cas où si je suis en état critique, tu me fais un coup de bœuf à côté, c'est bon. Hein. Mais non. Je te laisserai crever. Ah. Attention. T'es pas mon père. Fumigène. Allez, fumigène, ça peut être passé à tout. Ah, enfin! Parce que je me demandais quand est-ce qu'on allait les avoir, ces putains de fumigènes. Ah, moi je peux se tuer aussi, mais je peux t'en passer. Alors, c'est la première fois qu'on en a. Ouais, bah non, il te l'explique. T'as pas besoin, tu peux. Tu l'as directement raccourci quoi. Bon, au moment où tu lances la fumigène, on va dire que t'es complètement invisible carrément. Hein. Ok. Même si t'es devant l'ennemi, Oh putain. Retourne-toi, toi. Non, pas par là. Voilà, ça marche parce que maintenant. Ah, tu ne me vois pas. Là. Bon. Alors est-ce que tu peux... Là. Fais-moi la courte échelle. Signe aussi ici. Là. Fais-moi la courte échelle. Sérieux, on peut pas. Comment on fait la courte échelle? Alors on peut pas, faut une caisse. Tu m'emmerdes. Attends, laisse-la à moi parce que j'adore quand elle porte les grosses caisses. Ok. Quand tu la mets là, il y a ben... Attends. Là, il y a quelque chose. Ah, il y a une serveuse qui te rapporte ton verre. Ouais, parce que vous sortez pas tout de suite de la... Mais non, Madame Michel. Non, parce que j'ai passé à s'appuyer. Mais non, Madame Michel. On ne repassera pas tout de suite, mais chez Madame Michel. Elle est sympa, Madame Michel. N'est-ce pas? Hein? J'adore comment il m'a pas vu, le monstre, alors que je tire une grosse caisse. Alors, Barry, tu vois, j'ai des muscles. Allez, on y va, connard. Alors, tu aimes bien notre serveuse, Madame Michel? Là. Je vais te saouler pendant 15 ans avec cette phrase-là. Après, on se fera peut-être l'autre mode. Mm-hmm. Hein? Ouais, genre H-Putre et un mode raid. On devrait pouvoir passer. On va peut-être même en faire plusieurs, on verra. Ça c'est à moi. Dépêche-toi. Si je me dépêche, on va jamais l'ouvrir, ce coffre. Hein. Ah bah j'ouvrirai moi-même, je t'arrache la main, je m'en sers comme tu l'es. Alors, ce serait marrant que ce soit au même endroit. Non.
Hey, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Un pénis près. Voilà. Si tu remarques, c'est jamais au milieu, c'est toujours un pénis près. C'est toujours à moi la boîte d'éléments. Tu sais bien. Ah bon? Bon bah je vais dormir ici, hein. On se retrouve chez Mathusalem. Hein. Et je monte lentement. Oh là là. Faut au moins content que ça te quitte pas de la partie, hein. Mais si, vu que t'es le premier joueur. Mais si, ça m'a quitté de la partie, tu vois pas. Bon, par contre, je suis un peu perdu. Attends. Aïe. Je pensais qu'il y avait des murs invisibles. T'es où? Ah, d'accord. Oh merde, il m'a vu. Enfin, non, il t'a vu toi. Par contre, ta jauge de vie est un peu différente. Hein. Toi, quand tu commences à être faible, tu vois écran noir. C'est pas bon. C'est parce que je suis un monstre. Vu que mon truc il est rouge. Aïe! Aïe! Il fait un bisou! Ils ne sont pas faibles! Et sur le bras droit? Là! Là! Ah, c'est sa tête! Par contre, je sais plus. Là! Là! Putain, mais viens! Mais. Allez, coup de fesse! Enfin, coup de boule dans les fesses! Ah là, il me fait. Il y a une araignée là! Là! Vite, t'as ma petite bœuf! Là. Bon, tu vas me laisser tirer ou pas? Là. La 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 la. Ré mi fa sol la si do. Là. À part qu'à ses oreilles star quoi. À t'avertir où est le monstre, tu devrais être content. Bon. Je crois qu'on a loupé la carte, je crois que c'est pour ça que je me perds un peu. Je sais pas. Ce serait marrant si on a loupé la carte. Ah, j'ai trouvé encore un nouveau truc. Et moi je trouve un emblème. Ah bah pète-le. Je me demande comment on a fait pour le rater. Bah moi je donne. Oh, pour une fois c'était pile poil au centre. Couteau. Qu'est-ce du missile pistolet? Bon, je parie que c'est un truc genre. Je porte plus de balles au pistolet, c'est ça? Ouais. Ouais, du bon faudrait pour fils d'assaut. Bon. Ouh! T'aurais pu l'avoir de 15 000 mètres, hein. Bon. Ah oui, il fallait récupérer la clé. C'est ici que t'as rencontré Moira. Tu sais que t'es en train de me parler à 3 km, hein. Oui. Attends, viens là. Où ça? Ah oui, non, mais ouais, pas mal, pas mal. Eh, hey, je suis bon, moi. Là? En plus, ah ouais, quand je pointe, ça brille. Hein? Je crois que tu peux. Ah ouais, il faut monter sur le truc. Pour bien l'avoir. Tu l'as repéré où? Parce que t'es loin. Viens avec c'est moi, bon, je le vois. C'est bon, on peut monter. Par contre, maintenant bouge pas, attends que je te rejoigne. Voilà, on y va. Ah bah c'est bon. On est bon, hein. Trois emblèmes. Même si je sens qu'on en les aura pas tous, faudra que je monte dans la suite solo, hein. Enfin, moi, dans. Je sais que le premier chapitre, j'en ai trouvé 5. Qu'on n'a pas retrouvé ensuite en coop. Ouais, bah, j'ai dû pas. Là, je l'ai salé à ma neveu, j'ai dû vite les oublier, mais. Oh, damnation de magnum. Tu t'en sers jamais, fils de Walouf. Comme j'appelle qu'ils ont fils d'assaut, parce que c'est pas tout ça, je pense être un peu full ball là-dedans. T'as ton magnum! Ah, bah tiens, on avait de casser quelque chose avec Moira. Bon, bah, tant pis. Oula. On est où là? Ah! C'est bizarre. On a raté le truc? Ouais. Là! Là! Là, il y a un monstre. C'est un monstre! Passe-le-moi, je vais le casser. Par contre, ça fait con vu que nous, même en jouant Natalia, on le voit pas le monstre. Si, on le voit. Ah bon? Oui, il sort d'un toit en fait. Parce que je viens de le voir, façon de parler, vu que moi je peux pas vraiment le voir. Ouais, même du sniper, je commence à être. 4 balles! 4 balles, et après, si ça remplit une case. Ah bah, dis donc. J'espère qu'on trouvera vite une caisse de sniper là. Ma
Je t'avais dit de pas boire de l'alcool. Pourquoi j'ai jamais compris ça en fait, hein? Comment il fait pour, on va dire, qu'il voit fou qu'il y a un monstre? Il y a quelque chose. Hein? Ben, je sais pas comment il fait pour, on va dire, pour pouvoir, on va dire, flou quand même. Mais t'es d'accord avec moi? Fais gaffe, il y a l'alcool, hein. Faut pas pour trop boire. Je sais pas si le monstre peut un peu perturber, on va dire, ton cerveau. Hein? Mais faut pas picoler, Barry. Je le vois. Ouais, continue. Continue, Barry. Continue. Salut. Ouais, j'ai vidé je ne sais pas combien de balles. Eh, mais l'enc... Ah oui, ce qu'il fasse, c'est un, mais moi, c'est pas... Pourquoi je me demande si ça fait quoi si, par exemple, il te chope le monstre? Enfin, s'il peut, en tout cas. C'est pas tout ça, mais moi, je peux pas vraiment le voir, moi. Bonne chance. Ben. Ah. Donc là, on rencontre les glaces. Ouais. Qui te one shot? Voilà. Moi, je pense qu'ils peuvent me one shot aussi. Mais c'est plus drôle. C'est. Ah. Oh. Je te laisse crever. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Oh. Et donc voilà, la perceuse qu'on n'a pas si on n'a pas tué machin à ce moment-là. Enfin bon, ça nous sert juste de raccourci, on va dire. C'est... Ouais. Mais ça permet d'ouvrir d'autres trucs qui se trouvent sur notre chemin. Parce que sinon, on le croise en fait à l'endroit du crash d'hélico, soit 15 000 minutes plus tard. Hein. Ça va nous être pratique. Hein. Le bracelet, ce que j'ai appris jusqu'ici, ta traceur, surveiller nos trucs, c'est de la merde. Ok, bon. Anti-recul. Je pense que ça sera... Le magnum. Si tu... Ah putain, s'il y a bien une arme qui a du recul de fou, c'est le magnum. C'est faux, c'est le pistolet. Non, je rigole. Magnum. Bon. Ça sera déjà pas mal. Et là, je rigole, on trouve encore une autre boîte dans cette salle. Du coup, je suis obligé de retourner. Ah, du kiffé. Pas mal. Salut, Michel. N'hésite pas à me filer des fumigènes dès que tu peux. Ouais. Il y a une caisse en haut. Là. Là. Oh, des Mr. Magnum, vous êtes généreux, les gars. Attends, je vais voir si je peux pas faire des fumigènes par hasard. Non, mais je peux faire le bon d'artisanal. File-moi l'explosif, salope! Tiens, prends des désinfectants. Sors de poubelle aux mains. Désinfectant que je te rappelle, c'est seulement quand. Genre, t'as craché dessus et que tu vois plus rien. C'est-à-dire quand il y a un mec bourré qui arrive comme ça, bah l'espèce de gros genre qui t'explose sa gueule, tu vois plus loin, je veux dire. Essayons de trouver quand même des endroits où on peut utiliser la perceuse. Ouais. Ah, emblème. Ah ah. Ah, t'es bon, hein. Je me disais bien qu'on allait en trouver quelque part. Là, 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 là. C'est fait. Ah bah ça va, on trouve beaucoup d'emblèmes. Ouais. Viens, Barry. Ici, par contre, il y a un coffre. C'est... Ouais, il y avait un coffre ici. Tu viens m'aider. J'ai une petite bite, j'arrive. Tu viens m'aider. Suis-moi. Eh hey, gros lard, ta gueule. What? Attends, c'était quoi ça? C'est l'herbe. Attends. Bonjour. Alors, ce qui me fait rire, tu sais ce que c'est? C'est que ce soit avec le pied de biche ou avec voilà les petites mains, c'est le même mini-jeu. C'est un peu con. T'es pas d'accord avec moi? Normalement, ça devrait pas être le même mini-jeu. Ouais. Parce que défoncer avec un pied... Oh, dommage. Parce que défoncer avec un pied de biche et l'ouvrir comme ça, c'est pas pareil, hein. Espèce d'enculé de jeu! Et lâche-toi! J'ai un flingue braqué derrière ton dos! Ha ha ha! Je pense que cette caisse va bientôt aller se faire foutre, hein. Au pire, je le fais. Suis-moi. Attends ici.
Attends ici. Va te faire foutre là, hein. Vers la gauche, je pense. Ah non. Ah putain, allez. Bon, heureusement que tu recommences pas tout quand tu perds, on va dire. C'est au cadenas, on va dire que... Tu me dis pas que c'est exactement au même endroit. Ah. Si c'était au même endroit, j'aurais pas bougé, ça aurait été pareil. Allez, c'est deux cadenas encore. Attention. Non mais il se fout vraiment de ma gueule, hein. J'ai horreur de ce mini-jeu, je sais pas. Allez, plus qu'un. Ah ouais, je crois qu'il y a quand même un bon truc dedans, parce que c'est quand même trois cadenas. Hein. Allez. Des serviettes. Ah, des serviettes. Et quand je pense qu'à un moment, on va dire, t'as un coffre bonus, comme ça, avec Moira, t'auras un piège. Alors, soit tu t'échappes, mais tu as ce coffre, ou soit tu le fais assez rapidement et après tu t'échappes. Alors, vu que t'es pas très fort sur ce jeu-là, je pense pas à la rose. Pourquoi il y a quoi? À un moment, il y aura des sticks qui vont tourner, et justement, c'est soit tu prends le coffre et après tu m'ouvres la porte, ou soit tu m'ouvres la porte, mais le coffre, tu pourras pas y accéder. Oh! Oh! Il n'a plus que jouir. Allez, vite à la patte mobile. Si tu te plantes pas contre les murs, hein. Oui. Mais bah, en fait, je voulais d'abord picoler. Confusion. Ah oui, ça c'est pas mal, la confusion. On peut rentrer? 30 secondes, je vous montre. Salut. Bonjour. Ça va? Ça c'est. Oui. Je savais pas que les triades étaient partout. Il y a tout ça. Même chez Auchan. Ah, faut savoir, il est chinois ou japonais, parce que les triades c'est chinois et... Alors, bon, après je connais déjà la réponse de Sif, c'est pareil, c'est ça? Non. Non, c'est pas pareil. Alors la confusion, augmente tes champs d'étourdissement selon le niveau. Alors, soit je recadre un peu. Ouais. Alors, soit sur le fil d'assaut, soit sur le pisse. Qu'est-ce que je peux mettre? Tu fais sur les deux, tu fais un hybride. Alors je casse la boîte en deux et je mets un morceau sous pisse et un morceau sous fil d'assaut. Ça me parle correct. Non? Ouais. Alors mon Steve, comment ça va avec tes vidéos? Raconte-nous un peu ta vie. Non, je n'ai pas de vie. Pour l'instant, chez YouTube, bah, ça se passe bien. Bon, là j'avoue, je n'ai pas posté de vidéo depuis une semaine, parce que j'ai pas trop eu le temps. Mais... Et ça fera 4 mois au moment où ma vidéo sortira. Mais enfin, je pense que tu auras posté d'ici là. Ouais, je vais poster, mais je promets. Montre. Et attends, t'en bouges pas. Là. Là. Et là. Et là. Ah. Bon, on va peut-être aller à l'objectif en fait. C'est où? Ouais, excuse-moi, je me suis perdu. Je crois que c'est. On va monter l'échelle, on va dire qu'ils ont monté si on peut. Sinon, non, en fait, j'ai l'impression que non. Non. Enfin, je sais pas. Non, je vois. Non. J'ai porté un truc brillé par hasard. Ouais, c'est moi. Enfin, c'est pas moi qui ai brillé, mais. En fait, la petite fille, elle brille quand. Ah ouais, c'est dommage. Oh putain! C'était ici, il faut y aller. Cours! Il est où l'ennemi? Il est. Quelque part. Bon, on va peut-être courir. Ça sera plus simple. Ah putain, j'ai eu peur quand j'ai. Non, mais l'ennemi qui spawn comme ça. Hein? Non, je crois qu'il était plutôt caché. Mais c'était quand même bâtard. Ouais. Bon, bah, vu qu'on a la perceuse. J'avais réussi à passer. Mouah! Ah ah! Sinon on fait quoi si on n'a pas? Je crois que tu dois prendre un chemin alternatif, je crois. Bah tu vois, c'est plus pratique. Et je crois que justement, je crois que je l'ai pas fait en juste. D'accord. C'est bien, on va pouvoir découvrir un nouveau truc. Enfin, un nouveau truc. On y est passé déjà avec les autres, hein. Ouais, peut-être avec Barry, il y aura peut-être des trucs que moi je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai jamais fait en fait. Parce que vu que justement j'avais tué justement l'autre, mais quand j'avais fait la deuxième fois. Vu qu'après j'ai fait un mal invisible, je suis pas encore arrivé là en fait. Ah, de bouger ça clébore et en plus si ça rame. Ce qui est chiant c'est que mes trucs que je ramasse disparaissent quand tu fais les animations. Ah ouais. Descendre, c'est chiant. Là j'ai dit. Ah, tourne autour de la fille toi. Non, je t'abuse.
Bon, ouais, c'est aussi plus simple. Oh mon dieu, il pleut. Il commence à pleuvoir. Tu vas avoir assez chaud. Quand tu m'as violé avant, ça allait bien. Oh, ouais, bah, ça... C'est cool. Pourquoi? Ils sont morts. Ouais. What the mensch. Tu es très courageuse. Merci. Eh là, qu'est-ce que j'ai claqué? Qu'est-ce que j'ai cassé avec Claire? Maintenant, tu me fais une petite pipe. Ce serait bizarre. Ok. Et toi, t'arrives par où? Oh putain. Je suis désolé, madame. J'arrête de poser des questions. Oh putain, je sais qu'on passait à une porte normalement. Bah, justement, avec Claire, que je voulais aller la dernière fois qu'on a atteint un tour. Non, je vois plus trop. Mais normalement, tu passes quand même par cet endroit. Ouais. Vu que t'as cette cinématique quand même. Mm. Qui nous regarde? Une mouche! Hunk? Dark Vador? Putain, c'est quoi cette voix de merde? Hein? Oh putain! Ah merde! Ma lumière elle a attiré ce monstre à la con! Oh merde! Bon, allez, bras droit! Oh putain, du poids! Ah merde, ils sont deux! C'est quoi? Mais c'est quoi cette voix quand même de merde? Parce qu'en VO on entend bien que c'est une femme qui parle! Ouais. Alors que là, t'entends pas, hein. Non. Tu es d'accord avec moi? Lâche-moi, oui. Eh, mais, qu'est-ce qu'il... J'aurais où tu l'as fait tomber juste avec une brique. Ouais. Il est là! Lâche-moi, je veux pas de bisous, moi. Les tâches, c'est très mauvais dire sur ce monstre-là. Ouais. Je peux prendre même tranquille. Bon. Bon. Les Chinois nous envahissent. Alors, en haut ou en bas? On va peut-être aller en bas d'abord. Non mais qu'est-ce que ça a toujours à bouger ça? De la poudre à canon. Ça t'intéresse? Ouais. Te pique juste une bleue. Ok. T'es en manque de drogue, c'est ça? Merde, lui il m'a vu. Ah bah la carte, justement. Par contre lui, oulala. Il est où son point faible? Aïe 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 aïe. Lâche-moi. Là, c'était pas ce pied là, attention. Tête de pied. Pas ce pied là. La tête, je sais pas, quelque chose. Non. Dégage. Et il meurt. Putain, je suis très mauvais viseur. Bon, c'est l'heure de se régénérer. What? Qu'est-ce qu'il monstre? C'est normal qu'ils m'ont bougé la caméra à un moment? Ouais, parce que moi je suis vers là où il y a le monstre et il y a un coffre. Ah. Barry! Attends, je... Et je me déconnecte. Ouais. On a marre de la vie, toi aussi. J'arrive. Un bon cocktail Molotov et ça arrive au tout. Hasta la vista, Pedro. Ça fait quoi, tissu avec la bœuf? Ça fait des tourniquets. C'est pour les hémorragies. Ok. C'est-à-dire quand tu vois l'écran rouge ou... Quand t'as des... Enfin, quand tu saignes sur l'écran, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Parce que déjà que l'écran il saigne en général. Parce que quand t'as... Enfin, je sais pas comment expliquer. Pousse-toi, je veux faire le coffre. Arrête. Putain. T'es où, merde. Là, je sais pas ce que tu bats. Ah, merci de m'avoir dit que c'est la tête. Ça sera plus simple. Enfin. C'est à part son gros bras géant qui prend toute la place. Eh mais bleu bleu. Lâche-moi. Merci.
Le pétain. En train de se permettre. Ouf. Bon, c'est fini. Parce que là, je n'ai plus de vie. J'ai un peu fouillé la zone, ça n'a pas des caisses, un truc comme ça. Moi, je m'en branche, c'est déjà sur mon coffre. Il n'y a pas de genre caisse de munitions pour les snipers, hein, par hasard. Ah, ça coche. Bah, moi, t'auras une ligne en plus d'inventaire. Tu vais pouvoir violer. Non ? Non. Ah, les pistolets, ils sont bien parce qu'il me restait une balle. Qu'est-ce que tu fais avec mes tissus ? Alors. Déjà, tu me rends ça. Tu vas me rendre. J'aime, voilà. Je veux la poudre à canon. Les tissus, non, je veux pas ta carte garde. Je veux la poudre à canon. File-moi tes molotov. C'était la mienne. Eh, toi, t'as la régénération automatique, moi j'en ai pas. Ouais, bah alors, donne-moi tes molotov. Oh, mon molotov. Pour la peine, je les reprends par télépathie. Déjà, si tu fais un molotov, c'est une bombe artisanale. Pour la peine, je te prends tes munitions, piste. mes munitions. Les munitions, c'est tes mains. Il m'a piqué ma beuh, je vais le dire à mon papa. T'en as pas. Elle est pas, mon feignasse. Tu sais même pas porter une porte. C'est quoi cette vanne à deux balles? Oh la bœuf! Il l'a moi. Passez là où il y a des mines. Heureusement que je les ai pas détruits avec Moira. Ouais. Ah, c'est cool que t'as tiré un, comme ça je peux attaquer par surprise. Ouais, je crois. Ah non. Tu sais, une fois qu'ils m'ont gaulé, ils t'ont gaulé aussi, c'est logique. Ouais. Y'a moyen que tu ouvres la porte. Il est sympa ce monstre. Merci. C'est quoi les monstres là? C'est. En fait, c'est un peu coup de près comme. Comme ma bite. Ils te lancent des projectiles si tu préfères. Par contre, j'ai vu, ça a l'air d'être des mini-boss, une connerie comme ça. C'est là? Non, tu peux le tuer très facilement, enfin, je sais pas, en 5-6 balles. Bon, par contre, je vois fou, c'est que tu dois avoir ces petits monstres invisibles à la con. Faut aller par là ou on peut aller aussi dans l'autre endroit où il y avait la caisse? Je ne sais pas, mais par contre, je voudrais bien. Tu m'as dit que où sont ces monstres, ouais. Ils sont en train de se rapprocher de moi. Va indiquer où ils sont, j'ai un peu du mal à les voir là. Il est quelque part. Fais mon bisou, Maurice. What? Ah, ok, en fait, toi, il te fait rien. Par contre, je sais pas où aller, franchement, je vois fou de tous les côtés. Elle est là-bas! Ah, bah oui, ça m'aide vraiment. Elle est là-bas! Méfie-toi, mon truc. Alors, c'est bon, elle est à droite. À droite. Elle est là! Là! Elle était là! Elle est à côté de moi. Okay. Tu me tires sur moi en haut. Ouais, bon, elle est pas vraiment là où. Ouais. Elle est près de la table. Table. Où il y a une table? Table. Là. Bon. Tu te. Ah! Je crois que vous trompez de table. Aïe. Vas-y, j'ai rebattu tant que tu es. C'est quoi ce duo d'incompétents? L'autre il fonce sur le monstre pour te le pointer. Ouais, moi j'avais vu une table, je pensais pas que c'était celle-là. Enfin, je pensais que c'était celle-là. Si c'était celle-là, mais on dirait qu'elle s'est rapprochée rapidement de toi. Ouais. Natalia peut indiquer les points. Mais c'est ce que j'ai fait. Bah pourquoi tu peux pas indiquer là? Parce que c'est une chose si je te vois pas. Mais je l'ai indiqué. En fonçant dessus. Ah, ça doit faire cher à canon.
Au moins, si elle me headshot, tu sais qu'elle est juste à côté de moi. Ouais, mais le problème, quand je leur tire une balle, ils ont la tendance d'esquiver d'un coup. C'est-à-dire, du coup, quand je leur tire une balle, ils sont plus vraiment là. Bon, attends, putain, elle est par là, je crois. C'était plutôt ça. Avec tout le monde dessus. Je sais pas où. Non, c'est bizarre. Non, je crois que c'était plutôt par là qu'il fallait aller. Oh, non, mais on peut quand même rebrousser chemin parce qu'il peut y avoir des trucs. Ouais. Ça s'appelle le bug de la RAM. Faut attendre un tout petit peu le temps que Barry réfléchisse et qui sait qu'il faut ouvrir une porte. Voilà. On rebrousse chemin quand même. Si tu veux, mais c'est pas dit qu'on est. Bah attends, il y a un truc plus simple qu'on voit carrément là. Ça nous fait redescendre carrément. Enfin, vérifie si ça passe mieux en dessous de nos pieds par contre. Bon, hop. Oh putain, ils sont où? Il est là. T'as pas vu, c'est bizarre, non? Quand tu le pointes, il devrait me l'indiquer. Ok. Tamikaze! Bon, moi, tu me les enlèves pour moi. Il n'y avait pas un coffre, je sais pas. Par contre, il y en a encore un. Fais gaffe. Ah putain, il y en a deux! Ça? Il y en a à chaque sortie. Il y en a là-bas aussi. En fait, il y en a à chaque sortie. Ok, bah celui-là, c'est bon. Putain, je vais dire bonjour à l'autre. Chut, il va pas me voir. Ah bah oui, surtout que celui-là, on peut pas les avoir discrètement. C'est une bonne idée de venir avec moi. Crocule! C'est bon. Attention, derrière toi! Bon, tu dis qu'il y avait un coffre quelque part. Je pense. Sinon, à quoi ça sert cet endroit? Ça, c'est pour moi. C'était à toi. Oh, ma beuh. En fait, cet endroit sert à rien. Là, quoi? Ah, 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 ah. Ah, non, je crois que c'était un emblème. C'est le lecteur de cartes bleues. Ah bah si, il y a un coffre là. Merci. Que ce sont des phases passionnantes pour Barry, qui fout rien en fait pendant ce temps. Oh. Elle te laisse. Ah, oh, je peux pas tirer le levier. Normal, pourquoi on a déjà coincé la caisse. C'est malin ça. Pour faire tout le tour. Ah, pourquoi t'as un truc ici? À moi! Ah non. Ça va. Ta mère la pute! Je t'emmerde. Ah ah. Bon, alors, c'était plutôt pas là. Là, ça se fait que tu peux appuyer sur A quand moi je suis devant un truc. Hmm? Comment ça se fait que tu peux appuyer sur A quand je suis devant un truc? J'ai pas appuyé sur A. Ah bon? Ouais, ouais. Et même l'autre fois, quand j'étais à côté de la porte et que toi tu étais pas, t'as appuyé sur A, ça a passé direct alors que j'ai pas appuyé. Ah. C'est notre lien télépathique, c'est ça? Oui. Je devrais pas y aller seul. Comment ça, je devrais pas y aller seul? On s'en fout. Je devrais pas y aller seul. Eh, c'est bon, elle s'est proche. Je devrais pas y aller seul. Ah, c'est juste parce qu'en fait, ça compte comme si on était ses parents en fait. Ok. T'inquiète, je sais pas. On va mourir. Ouais. Ouais, il reste 14 minutes, je crois, si on a le temps de boucler. Je pense. Quand tu fais juste gaffe aux mines là, parce qu'on sait jamais. Hein. Je te les indiquerai pas, tu le sais bien. Justement, c'est pour ça. T'es sûr qu'on n'a pas un peu passé rapidement ce passage? Ce chemin, parce que ça sentait un chemin à emblème, je sais pas, vu qu'il n'y a pas d'ennemis, y'a rien. Ah, ouais. Ou à coffre aussi, vu qu'on n'a pas regardé à gauche. Si tu veux, on fait vite fait. Et moi qui veux là. On peut plus. Bon. Par contre, moi je veux voir ce qu'il y a ici. Dégâts niveau 2, mais c'est bon ça, voilà, faut que le fusil d'assaut parce que c'est une bah, merde. Pistolet. Ah non, je peux pas mettre deux fois le type de dégâts. Alors on met niveau 2 et tu mets niveau 1 pour l'autre. Non, justement, je préfère le fusil d'assaut parce que il fait pas vraiment mal. Et le pistolet, fuck off.
C'est surtout contre ben, les espèces d'insectes. Alors file-le moi le pistolet. Sois prudent, j'ai rencontré Moira ici. Ah bon? Bien, dépêchons-nous. Ah ouais, on va casser ça. Ça marche pas. Il va falloir trouver un autre chemin. Et normalement, on passerait autre part là ou? Oui. Par où? Ben. Là. Ok. Bon, bah allez, on y va. On va aller par là, parce que je vois pas où ça peut. Ah, ouais, voilà, c'est un rapport. Ah, c'est cette porte là où justement avec Claire, bah, justement, je voulais aller avant. Barré! Ok, attends, j'arrive. Je vais casser ça. Oh la beuh! Oh, 2 minutes sur la meuh! Nom nom nom! Oh, 3 ballons! Vous avez exactement le même bracelet que toi. De toute façon, il va te mordre. Donc ça, c'est l'autre qui était en hélico. Qu'est-ce qu'il fout là, d'ailleurs? Bon sang, mais qu'est-ce que c'était que cette expérience? Je vais quand même voir... Ouh, dans cette petite cache, c'est quelque chose, non? Il y a ma grand-mère! Tu le dis. Ma grand-mère, le coffre. Attends, tu sais quoi? Juste par hasard, je peux faire quand même regarder, là, parce que... Parce que normalement, on devrait passer par en haut. Ouais. Il y a un emblème ici. On voit même Claire en train de me montrer son cul. Ok. Comme d'hab, on se parle à 3 km hein, là-dedans. Ouais. Ça va, Marie? Je me demande si moi... Je me fais quand même vérifier qu'il n'y a pas un emblème genre d'aller très loin. Ah bah justement, on va avoir un chapitre justement. Ça fait beaucoup de justement. Ah, j'ai cru que c'était toi qui allais porter le... et moi qui allais ramper comme une petite fois. Regarde, un monstre. Cet endroit a changé. Faut quand même voir qu'à vous pour les emblèmes. Plutôt sinistre. Hein. Un monstre. Là. Attention, là aussi il y a un truc. Voilà, là. Là. Ah, il y a un petit coffre pour toi. Ok. Et... J'arrive, Mouloud. Juste vérifier la zone. Je te laisse se prendre. Enfin, je te laisse se... Bah, avance pas trop. Ah, t'inquiète pas. Oh, bien joué. T'as vu, je suis le meilleur. Comment ça prend l'habitude? Oh. Ah, tête en bas. T'as vu, je suis le meilleur, maintenant on peut faire l'amour ensemble. Oh, ça c'est bon ça. 1000 PM ça. P, 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 B. Allez, avance. La finesse. Ah, pas la petite emblème là, parce que franchement, là où t'es reçu, ça sentirait quand même un peu. Non. Ta grand-mère la pute. Bon ben, j'avance. Je me réchauffe auprès du feu. Ok. Bon, j'avoue, la première fois que je suis passé, ça me faisait un peu flipper. C'était un emblème, en fait c'est sa vélo qui est recouverte de bleu. Mon dieu, je commence à avoir des emblèmes partout. Un monstre arrive. Là. Je fais mon air serveur parce que je suis filmé par une caméra. Mais sinon en fait j'en tire des crocs tout en rotant. Ce serait marrant que tu choisisses Barry Burton dans un de tes prochains personnages forum. Et que tu fasses un gros pervers comme ça, pédophile. Là! Faut bien qu'elle dise un jour. Là. Un emblème sur ma veste. Alex Wesker. Alex Wesker. Là. Tu rigoles, j'espère. Oui, c'était une blague. Caméra cachée. T'avais une voix d'homme juste avant. Par
contre, ça s'est mal fait quand même en VF, le coup qu'elle a une voix d'homme avant. Mon Dieu, un vautour. Là, là. Par contre, la tronche quand même. Oh mon Dieu, je suis enceinte. Fin du chapitre, cliffhanger de fou. Enceinte, rien que du montrer du doigt. Là, 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 il aime ça, là, 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 là. Mais quoi, c'est pas un succès de dernier... Enfin, déconnecté. Mais oh. J'ai même plus le droit de s'étirer. C'est ton téléphone. C'est à Natalia. Rien. Aucun signe. Oh mon Dieu, une porte. Des cochons. Des tourniquets. Elle est responsable. Il faut que je me prenne les balles de sniper. Il y a tous nos noms. Avec les rouges. Oh non, pas ce chapitre. J'en ai chial, format invisible. Bon, bah, tout ce que j'ai à retenir, c'est là, là et là. C'est bon, vous pouvez, si vous avez signé le dernier truc, vous êtes le regagnant de ce verre. Épisode 2 and tac. Alors 20 points de G. Ouh, précision. Hein, hein. Quoi? Ah oui, mais ça c'est normal, c'est les monstres que j'arrive à moi. Ah oui, tireur d'élite, hein, tireur d'élite avec 56% précision, oui, si tu veux. On a un A, ce qui est déjà quand même. Non. Ouh, on a des S d'habitude. Mais on a un S X dans le temps. On aurait pu aussi avoir un S dans mort, mais bon. Alors, j'ai ouvert 3 boîtes à puzzle et j'ai trouvé 6 objets. C'est fou! Y'a que moi qui ai fait des trucs dans le tas! Tu sais, mes dés, ça compte aussi pour moi. Alors, t'as pas tué 5 revenants. T'as tué 6. T'as pas tué 6 ennemis au couteau. T'as rien branlé, hein, avec les explosifs. Le truc qui a marqué tuer le mutant Pedro en le regardant. Enfin, rien qu'avec vos yeux. Tuer le mutant Pedro en détruisant tous ses yeux. Bon, vu qu'on l'avait tué avec Claire, ça pouvait pas se faire. Mmh. En touchant uniquement leurs points faibles, les autres. Et toucher des ennemis avec la brique de Natalia 15 fois. Mais il me filait jamais des briques quand il y avait des ennemis, qu'est-ce que je fasse. Enfin bref, il y a que moi qui lui ai fait rapporter des médailles. Mmh. Heureusement que je suis là. Bougnoul. Ah, et on n'a pas trouvé de... On n'en a jamais trouvé. Je sais qu'il y a des symboles bizarres avec la lampe de Moira, mais avec Natalia, je sais plus ce que c'est. Mais on n'en a jamais trouvé. Ouais, de toute façon. On va faire les habilités. Ouais. Alors. Laisse-moi jouer aux chaussures. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les autres trucs? Alors, à droite, le truc t'es passé avant. Réduit le temps de réaction de 2 lorsque vous assistez à par 2. Ouais. Un partenaire mourant. C'est juste pour toi, on va dire. Hein. C'est ouais, l'œil là, à 1000. Licence de perception. Ah, ça, ça peut être sympa. On achète. Ouais. Le truc à 5. Les deux trucs à 5000, tu me montres. Des points bonus. Ça. Ouais. Mais bon, à gauche. Faut déjà que t'as l'habilité que t'écrases quelqu'un. Oh, là, quoi. Ouais. Ça, c'est pas trop utile. Et tout à gauche, donc on revient. Il y a tête. Ça peut pas être genre tu t'accroupis, t'as massé ton pouvoir. Non. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a en bas. Une esquive. Une distance d'esquive. Améliore le truc à 1500. Et puis ensuite. Bah, c'est surtout pour moi, surtout. Toi, toi de base, tu as déjà amélioration, mais après pour barrer. Et toi, couloir, si tu veux. Ouais. Et ensuite. Ta grand-mère en string sur l'autoroute. Bah ça, ouais, plus puissant pour... Ouais, si tu veux. Non, je vais pas faire le truc genre... c'est un truc genre, à chaque fois que tu changes d'arme, tu fais plus mal du premier tir. Oh, ça fait, je prends le pistolet, je tire une balle, je prends un mitraille, je tire une balle, je prends le pistolet, je tire une balle, je prends un mitraille, je tire une balle. Hop. Ça peut être pas mal. Bon bah voilà. Tac. Bon ben, tout ce qu'on a à dire, c'est ta grand-mère en string sur l'autoroute. Ok. Là.